Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous à l'ESA sous télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Réalité, mon handicapé dans le temps COVID-19 là. C'est autour de ça, nous prenons à faire échange nous aujourd'hui avec une personnalité bien indiquée, secrétaire d'État pour intégration mon handicapé. Madame Swanette Désir, qui a accepté répondre à une question télévision nationale d'Haïti. Secrétaire d'État, c'est un plaisir pour nous rejoindre sur TNH. Donc c'est un plaisir pour nous avec vous dans l'émission mise au point côté que je dis à la recevoir ma titre de secrétaire d'État un an de cela, donc vous recevoir moi comme une personnalité dans la société civile là. Et bien c'est toujours un plaisir pour nous capables de venir parler avec la population et surtout le monde qui est handicapé de ça qui a fait et maintenant au niveau gouvernement. Alors de l'autre avec nous on songe ça et vous devez venir parler d'une activité que l'Union des femmes à mobilité réduite t'a pu organiser. À vous dire comme secrétaire d'État, qu'est-ce qui a changé, Madame Désir? Bon, qu'est-ce qui a changé? Je n'ai pas changé en tant que personne. Je reste la même personne. Mais moi, capable de dire c'est sorti de société civile là à l'État. Parce que là, maintenant, ce n'est pas pour l'Union des femmes à mobilité réduite d'Haïti, mais c'est pour BCEF, qui est bureau intégration et bureau, donc secrétaire d'État pour intégration des handicapés. Maintenant, je dis à là, on a réfléchi au niveau national, donc sur question handicap là. Parfait. Alors, on dit 13 mars, vous installez officiellement comme secrétaire d'État pour l'intégration des handicapés. 13 mars à Jodia, et on va rentrer dans son organe, comment c'est fait, mais comment tu joins le bureau? Et mon cher, m'a profité occasion pour moi remercier le président Jovenel Moïse et remercier PM Jout, Joseph, donc justement qui ont même offert une opportunité. Pour moi, sortir côté MDA dans la société civile, là, pour venir porter contribution, pas au niveau de l'État. Il faut nous dire que j'ai un jeune bureau. Donc, c'est un bureau qui a fonctionné. Parce que justement, tu as gagné un secrétaire d'État. Mais pendant que nous arrivons dans le bureau, qui ça que nous faisons nous-mêmes? Et nous faisons ça qui est l'état des lieux. Parce que justement, il y a du travail qui a fait déjà. Donc, nous faisons connaissance avec deux dossiers qui étaient là. Et puis, fait état des lieux et tout. Nous rencontrer des chefs service, chefs unité, rencontrer du personnel pour nous capables justement de garder dans tout ça, pour nous capables de voir qui ça que nous-mêmes nous capables de continuer avec eux et qui ça tout nous-mêmes nous capables justement de repartir si toutefois que nous-mêmes nous voulons vraiment atterrir avec vision par nous et pas oublier que nous là, c'est pour que nous-mêmes nous capables d'atterrir avec vision président, vision gouvernement. Donc ça veut dire, donc tout ça, il faut que nous te fait travail ça. Mais il faut que nous dit que y a une bagaille que justement nous capable de dire, c'est que là nous arrivons vraiment bureau n'y pas gagné un cadre juridique qui définit organisation et fonctionnement. Donc là nous déjà cabinet technique moins, donc justement déjà commencé travail sur lui au moins pour nous capable quitter bureau avec un cadre juridique qui définit organisation et fonctionnement. Et une qui ça nous mettait aspect tout ça, c'est dans le cadre pour que nous capable renforcer capacité institution en tant que telle. Et puis pour nous arriver à travailler tout sur renforcement capacité institution monde qui handicapé, parce que justement nous estimons que c'est un point que nous-mêmes nous devons focus sur lui, parce que si je dis à nous là, c'est parce que justement nous tapons quand même diriger une association, nous te quoi dans structure et là pendant nous dans l'État, il est important pour que tout ça nous te connaît, nous garder qui gens nous capable faire que li utile l'État. Mais pour ça, donc il y a un pile dossier que nous joignons, je nous dis à. Mais nous déjà fait toute évaluation nous déjà et là nous gain temps terminer tout parce que avec nos jeunes plan d'action et que nous déjà dans tout contexte difficile nous déjà réactualiser plan pour que nous-mêmes nous capables et faire ça que relé cohésion de logique gouvernementale là, de vision gouvernement pour lier avec plan d'action que nous jeunes. En termes de ressources humaines, comment ça arrive au bureau? Mon cher, en termes de ressources humaines, nous avons un peu de ressources, mais par contre, nous avons deux points qui sont importants que nous pouvons travailler sur comme ressources humaines, parce que nous devons gagner un point focal juridique. Et en dans boîte là, nous devons gagner tout un point focal en ressources humaines. Parce que justement, pas gagner aspect ça en dedans. Donc, on est très important parce que nous avons géré les gens et nous avons différents types
et gagne 6 coordinations départementales tout, donc tout ce monde et pour nous capables mieux garder aspect ça nous pour aller travailler donc sous prochain exercice fiscal là pour que nous capables gagner un point focal de ressources humaines et un point focal sur questions juridiques qui capable traiter de questions juridiques en dedans que ce soit de monde qui handicapé de temps en temps qui ont même besoin de services juridiques même si c'est pas nous capable offrir au lit mais au moins capable gagner une orientation surtout pour des associations tout qui gain association mais vraiment qui nécessite de support juridique par exemple en termes de pour faire chote pour faire papier parce que certainement l'état pas gain cob mais par contre organisme international yo gain cob mais pour dépenser il faut que organisation lui-même les structurer dans bureau ça est-ce que je dis à nous gain à comment estimer bien évaluer pourcentage monde handicapé qui travaille dans BCF là. Mon cher, il faut qu'on dise en termes de pourcentage, pas vraiment gagner une bonne quantité. Et c'est une raison qui fait que depuis le nous arrivé, nous cherchons qu'on ait au moins une quantité de monde qui a travaillé, mais il n'y a pas en pile. Et c'est une bagaille tout qui est important pour nous. C'est focus sur l'article 44 loi sur l'intégration de monde handicapé. Parce que nous-mêmes, ça est important pour nous. Et représentativité, n'a plus été à ce que soit administration ça a pour que nous gagnions représentativité. Donc, pendant ma parole, voilà là, chef cabinet, moi, c'est un monsieur qui est handicapé. Donc, parce que nous-mêmes, nous voulons valoriser Mounio à sa juste valeur, selon compétences, pour qu'il soit capable justement de servir la population. Et nous commencer tout, au moins, à garder l'autre aspect. Qui gens que nous pourrions focus tout sur coordination départementale pour nous voir qui gens nous capables justement intégrer de monde qui handicapé mais n'est pas trop facile parce que justement censé tout service censé vraiment combler mais c'est un défi pour nous mais nous avons gardé qui gens nous même nous capables permettre que au moins représentativité a commencer même en dedans bureau secrétaire d'état pour intégration monde handicapé. Alors pour bien préciser c'est les monde qui qualifié qui capable répondre à ça n'a demandé ou faire. Bien sûr. Parce que ce n'est pas moi de mon handicapé pour mon handicapé, mais c'est moi qui est capable de qui qualifier pour le job que je vais faire. Bien sûr. Parce que normalement, mon yo, il est vrai que gagner carence, donc ou gagner ou pas besoin de quantité mon handicapé qui licencié, mais par contre, bon petite quantité. Et maintenant, petite quantité, ça, depuis nous gagnons de côté qui vide et que justement nous plus aller vers là pour nous capables combler ça parce que c'est nous-mêmes en premier pour que nous capables commencer à mettre en application recommandations et comité Genève l'ont fait à l'État haïtien parce que c'est une travail tout n'a pas essayé fait tout à travers le gouvernement et c'est ça qui fait n'a tout arrivé tout dans question par exemple où est gagné et une présence dans la presse de plusieurs monde handicapé et nous très focus sur ça c'est parce que tu as gagné un concours donc MRH a organisé de concert avec BSF pour que tu recrutes des cadres qui sont moun handicapés pour fonction publique. Là. Mais maintenant, nous avons un dossier déjà, nous joignons et pendant nous arrivons à tout, nous continuons à multiplier les efforts et nous rencontrons déjà le coordonnateur général qui est M. Ali. Donc, c'est une façon pour que vous capable justement mettre plus bouchée double, une façon pour que vous capable vraiment intégrer moun yo dans la fonction publique. Par contre, BSF te gagne pour te doter de matériel. Là, nous disons matériel pour les gens qui attendent parce que c'est de matériel vraiment qui adapté. Parce que là, les gens vont arriver dans la fonction publique. Là, on nous dit que gagne de moun qui parle, donc qui prend besoin de computer pour fonctionner. Maintenant, computer parlant, il faut que l'y adapte. Ce n'est pas une faveur, non, l'État fait, mais c'est parce que l'y connaît, effectivement, étant donné que l'État, matériel que l'on gagne, l'autre monde qu'on utilise, qui est handicapé, n'est pas adapté. Donc, dans souci pour permettre que moun handicapé ait performant pour le café travail, et bien justement, il offre moun yo de matériel vraiment qui est adapté. Et récemment, donc, nous avons eu li, et maintenant, il y a un processus nominal. Donc, entre autres, le que l'on termine pour que vous-même soyez capable d'intégrer la fonction publique avec tout ça que vous-même avez gagné dans Djakoutio et nous sûr que y a bah, l'état de bons résultats. Ça prend combien de temps pour que vous soyez finalement nommé parce que vous avez un bon temps à attendre? Faut que moi dire que pour vous nommer, il ne dépend pas directement de BCF. Parce que c'est tout un processus. Maintenant, c'est à peu près 200 jeunes, inclus 50 personnes qui sont handicapés qui ont participé dans la période là dans le concours à tout. Mais maintenant, tout ça, nous-mêmes, démarche pas nous, c'est assurer nous que nous étions en contact, fait suivi auprès de l'OMRH, qui lui-même, c'est un d'un primature qui a même fait suivi avec un primature, pour que lui-même, parce que pas oublié. Donc, c'est question que, donc,
selon compétence mounan et que li affecté à yon ministère. Et maintenant ministère ça lui-même faut que kounyan yo même yo confirmer reste démarche ensuite pour MRH décider sur lui et ensuite donc son processus qui prend du temps et c'est ça qui fait que justement moun yo pou konome mais moi sûr que PM nan justement li prend de engagement et président tout lui-même li passe instruction de temps en temps pour tout monde qui concerné dans dossier à prendre responsabilité pour que dossier ali fini parce que c'est pas en faveur j'en nous dit là et encore plus dans l'état. Donc c'est pour la première fois que gagne un recrutement comme ça qui réalisé pour embaucher quantité moun handicapé comme ça dans fonction publique là. Moi me rete croire que processus n'y a pas abouti et moi dit moun yo c'est vrai li prend du temps et que moi-même l'aime rivé dans un dossier m'tap chercher comprendre pour moi s'il était en cours c'était dossier ça mais sauf que j'en nous dis a continuer à faire suivi actuellement au MRH continue à travailler sur dossier c'est vrai que l'ilan mais moi-même moi assuré que m'a fait suivi bon côté pam yo pour que li capable aboutir pour moun yo vraiment intégrer aller travailler dans fonction publique là qui ça budget BCF là aujourd'hui a madame Désir. Budget BCF, je dis à la, et étant donné que yon wè à la baisse, avec dernier et budget rectificatif, là, mais c'est un budget à près de 40 millions de gouttes. Mm-hmm. 40 millions de gouttes. Tenant compte de tout ça, Capitaine, nous, et ou quoi ça a aidé le lever des filles qu'on dit là? Bon. Mon cher, il faut qu'on dise que des filles en pile, besoin en pile. Et moi, pas chita sous ça pour me dire c'est pour ça que yo wè budget à la baisse. Mais moi, al chercher comprendre tout. Depuis 5 années qui passent, yo, te toujours un cop qui retourne dans le trésor public. Donc moi dis si à chaque année donc toujours un cop de BCF qui retourne dans le trésor public, d'où avec contexte coronavirus là, donc côté que l'État besoin cop justement pour investir plus par exemple dans le ministère de santé publique. Il a besoin qu'on puisse investir plus dans et TPTC. Donc, c'est-à-dire que le ministère vraiment il a dégagé de fonds pour permettre qu'on puisse renforcer sur le plan financier. Eh bien, c'est justement peut-être de héritage que nous-mêmes nous venons joindre et que nous avons payé. Mais par contre, et nous pensons que le prochain exercice fiscal, là, donc, le ministre Boisvert, et justement, a fait tout ça qui est nécessaire pour le budget BCF là, à la hausse. Et pas même dans le niveau 45 millions gouttes, aller au-delà de ça, parce que je dis à la, donc nous gagnons un cabinet technique, donc il faut qu'ils payent. Et nous allons justement garder l'aspect Samsodzoula, aux questions ressources humaines, questions juridiques, questions que pour nous-mêmes, au moins engager en plus sur notre interprétation de langue des signes. Donc la nécessité automatiquement plus budget et demander au plus. Et gagner l'autre bureau qui supposé ouvrir encore pour faire un septième bureau. Donc tout a besoin de coût. Donc nous pensons que justement, le prochain budget 2020-2021, il n'est pas prêté comme ça, étant donné que nous gagnons 3 mois là, pratiquement, pour l'exercice fiscal l'enfermer. Donc, nous avons fait tout ça, nous connaissons, pour que nous-mêmes, nous sommes capables justement de faire le travail que nous supposons faire, même si que nous pas arrivé à faire le maximum, mais au moins pour nous faire le bail qui réalise, qui concret. Qu'est-ce que ça chiffre aujourd'hui en termes de mon handicap en Haïti? Pour chiffre, je dis à là, nous avons parlé plus que 1 million de mon handicapé. Mais encore une fois, c'est bon, avec contexte COVID encore, parce que mois de juin là, l'État est supposé faire recensement. Et maintenant, c'est sûr que tout le monde est censé pour le work et travail. Maintenant, le chiffre, c'est toujours encore des chiffres qui ne sont pas confirmés par IHSI. Et c'est un point focus pour que justement, automatiquement, il y ait un recensement pour que au moins IHSI capable de focus sur l'aspect handicap là, basé sur le questionnaire Washington Group qui dit mais qui j'en pour le faire, une façon pour nous capables de gagner un chiffre réel qui confirme pour l'État haïtien vraiment combien de monde qui est handicapé. Mais on a parlé, donc selon des chiffres, bien entendu, de organisations internationales, par exemple OMS, donc c'est-à-dire qui a avancé avec des projets qui fait, donc nous avons parlé de plus que 1 million de monde, je dis à la. Dans l'autre pays, prend Rennes et BCF là, vous avez dit que son opportunité que vous avez, je dis à, pour que vous portez dans l'autre dimension, contribution dans la réalisation des droits de monde handicapé. Je dis à, de mars à jeudi à, ou quoi que vous commencez et arriver dans ce discours-là? Bien sûr. Et moi, je voulais être cohérent à discours.
et moi pas monde qui a couru pour samedi et c'est ça qui fait que nous toujours fait j'efforce ça. Par exemple, il est vrai que gagne un contexte qui est difficile, contribution pour droit mon handicapé, moi pas le bon simple exemple parce que c'était toujours garder une possibilité pour que organisation nos sociétés civiles yo travaille justement en collaboration avec l'État. Et maintenant, par exemple, on prend CIPC, Centre d'information permanente sur COVID-19. Eh bien, nous-mêmes, c'est vrai qu'en tant que l'État, nous avons fait des présentations qui sont liées à COVID. Mais maintenant, nous avons vraiment contacté quelques associations qui ont même fait le travail pour qui impliquaient directement pour lutter contre la propagation COVID. Là, nous avons invité, nous avons fait suivi avec CIPCA, nous avons invité à venir parler. Mais il y a l'autre monde qui était sur la liste d'attente, malheureusement, il y a eu un incident qui était passé avec CIPCA. Donc, ça fait que nous n'avons pas continué à défiler à les 10 populations, nous même ça que nous avons fait. Et jusqu'à présent, et ça que nous faisons, question communication, par exemple. Et nous très sensibles à ça, c'est une bagaille qui justement permet que au moins moun yo rete connecté avec tout pays a, qui rete connecté avec président, tout le monde qui a communiqué pour pays a. Par exemple, il est vrai que des fois li fait après, mais c'est pas ça que nous voulons. Nous voulons que gagnons là n'a parlé de communication accessible en temps réel. Donc président, justement, à chaque fois qu'elle prend la parole, on va remarquer que gagner plus de volonté qu'on est là pour gagner une interprétation qui fait en temps réel. Mais certainement, des fois, donc, ça arrive que des difficultés de logistique qui empêchaient que gagner une interprétation en temps réel. Mais nous-mêmes, pour nous combler vite ça, nous faisons ça après avec service communication BCF. Donc, nous-mêmes, nous avons interprété message président ou bien après message première dame dans tes sorties sur COVID, nous mettons interprétation là-dedans, c'est une façon pour nous permettre plus de comprendre. Mais nous avons dit que ce n'est pas suffit, nous considérons que ce n'est pas suffit parce que nous voulons une communication en temps réel, mais nous avons fait tout ça qui est possible pour nous contribuer. Et un exemple que nous avons tout, c'est que là, actuellement, ma parole voilà, si vous allez l'évêque, nous toujours qu'on parlait de lui déjà avec TPTC et nous remercions le ministre Nader. Donc vraiment nous t'es approché pour ça qui déjà réhabilité toute route là sortie de village arrivé sur route nationale et nous t'es fait demande tout pour que gagner de l'eau qui vienne joindre monde dans village parce que c'est le côté que nous habitués depuis 2017. Nous t'es fait demande ça, nous t'es accompagné première dame nan, et que jusqu'à présent l'homme arrivé donc travail ça a toujours pas fait. Mais maintenant, nous t'es encore une fois frappé porte et TPTC. Donc étant donné que DG Guito était malade, donc ça fait que le pas continuer mais l'autre semaine passée nous parlait et que travail a continué donc déjà il y a un pile travail qui fait déjà à la base pour que justement yo mener de l'eau dans village. Et gien l'autre bail que nous fait par exemple gagne monde qui sous la piste qui malheureusement et dernièrement t'est prend du feu. Ça c'est une autre situation mais bien avant ça nous connaissons parler de COVID donc nous c'est laver mains et puis pas arrêter côté qui gagne trop et salubrité et là maintenant avec SNGRS nous t'ai fait demande là yo t'ai nettoyer quand etc donc permettre que au moins gagne un minimum qui fait mais maintenant et puis t'ai gagné tout ça que les camions de l'eau dîner pas t'es approvisionné camion de l'eau même si c'est pas chaque jour mais de toute façon depuis au moins des fait demande et que nous assurer nous fait ça et puis porter de seau pour yo tout pour te mettre sur plusieurs points dans camp en façon pour te laver mais et par exemple gain un port de masque obligatoire nous recevons un total 52 000 masques et que nous commençons à distribuer yo mais nous distribuer avec personnellement et nous distribuer avec association parce que nous-mêmes nous croyons dans question structure là donc pour distribuer il est vrai que nous pouvons arriver sur tout département parce que moi-même moi gain pour moi aller parce que nous pouvons aller faire évaluation coordination départementale nous gain pour nous aller très prochainement mais nous déjà voyons masque avec matériel adapté là nous dit gain chaise à roulettes gain béquille donc nous voyons dans et au Kray, et puis nous voyons tout dans la grande danse, et là, qui déjà gagné, mais après, même si que nous pas arrivé à toucher tout le monde handicapé en général, mais nous gagnons une quantité de masques qui est réservée pour chaque département, pour nous assurer nous que tous 10 départements ont gagné un masque pour que même soient capables justement
respecter au moins un minimum mesure geste barrière qui permet que au moins monde qui handicapé au protéger tête yo. Et jusqu'à présent on a parlé là nous poko informer de monde qui handicapé qui testé positif pour coronavirus, donc c'est à dire n'a petit moun yo continuer faire prudence parce que justement prudence temps est très important pour respecter les gestes barrières. Alors là heureusement vous êtes déjà dans secteur A, d'ailleurs dans dernière émission de faire vous t'a porté parole, moun a besoin spécieux, madame Soinette Désir. Je dis arrivé, ou êtes reconnu. Alors, au fait, mon handicap, vous avez dit, ah, c'est une non nous. Maintenant, et par rapport avec ce que gagné, avant arriver dans le bureau, secrétaire d'État pour intégration mon handicap, et l'arrivée, où est sa réalité ailleurs. Je dis, ah, ce qui ça, en termes de gros projets qu'on travaille, qui t'a permis que vous différence qui portait dans la vie, mon handicap en Haïti. Faut que effectivement, et des fois et ou te doit sembler à moun ou semble avec pour un petit temps, mais à partir du moment que faut moi dire que pour nous arriver là et donc c'est difficulté là nous dit ça parce que travail nous c'est pas ton travail comme si pour nous t'es juste venir comme secrétaire d'état, mais normalement pays en ouais nous président ouais nous nous cas utile nation li rele nous et que nous venir. Nous pas faire réticence. Il y a deux monde là je dis après Léo pour venir bail coûte mais à la République, il a fait bac. Moi même moi pas monde qui fait bac par rapport avec deux idéologies de ça que me quoi. S'il est vrai que il y a un pile monde nous t'est semblé avec yo peut-être avant 3 mois, mais il y a un pile monde qui estime toujours dire nous pas semblé avec yo pour la simple et bonne raison parce que justement dans 3 mois et de héritage qui déjà passé de presque à peu près 8 ans. Donc, dans 3 mois, je ne vais pas résoudre. Cependant, il y a un plus gros projet que je vais accoucher pour petit temps que je vais passer dans le bureau. Par contre, pour combien de jours, pour combien de mois? C'est un projet qui est lié avec l'amendement loi portant sur l'intégration des handicapés. Parce que nous-mêmes, nous avons gardé la logique inclusion. Et je dis à la, moi, je vais parler de bureau intégration des handicapés. Or, nous-mêmes, nous travaillons pour nous. Si nous avons finalisé un travail que BCF a commencé à faire déjà, ensemble avec la société civile, là, pour amender la loi qui peut être sur l'intégration des handicapés. Maintenant, c'est le plus gros projet. Et ensuite, le deuxième travail que nous avons assuré que pour nous faire, c'est assurer nous au moins, avant que je sois capable de compter pour me dire mes quantités d'institutions d'État. Que nous-mêmes, en tant que bureau qui a fait un travail, justement, un regard sur le travail de chaque ministère, chaque direction générale, chaque concentré, chaque secrétaire d'État, pour que nous soyons capables de garder justement le diagnostic là, en termes d'accessibilité qui s'accueille. Ce n'est pas nous-mêmes qui parlons de accessible. Et déjà, Télénational, déjà sous liste institution d'État, que nous-mêmes, nous avons délégué un service dans le bureau. Pour venir auditer et puis pour remettre et institution un diagnostic d'accessibilité pour que justement yo capable aménager espace là une façon pour que gagne plus mon handicapé leur venir pour capable sentir la caillou puisque c'est de l'État n'a pas parlé. Et l'autre bagaille nous déjà acheminé plusieurs CV de interprètes professionnels en langue des signes à différentes institutions. Raison parce que justement c'est une occasion pour nous pour que nous-mêmes, au moins, le nous va aller, au moins, pour nous capables de dire, même si c'est une institution, même si c'est deux institutions, au moins, ils ont gagné un interprète en langue des signes qui va permettre que au moins, ils ont venu au besoin de monde qui soudio. Donc, inclut tout le monde qui est handicapé et le travail que nous continuons à faire. Une bagaille, Dieu merci, même si nous gagnons justement de monde qui est capable de parler pour nous, mais nous-mêmes, nous sommes capables de dire 1, 2, 3, mais ça que nous fait et prochainement on a metté bilan 3 mois sous site BCF là côté que moun yo y a capable garder y a capable gagner une idée plus large de ça que nous même nous déjà réalisé pendant 3 mois. Mais en fait situation sociale, situation économique pour handicapé yo c'est pour moi qui trop intéressant et madame Soin deuxième pas prendre moyen au fait même dit ça et pas connait qui ça qui sont gagner en terme de disposition pour accompagnement moun sa yo dans dimension sociale et économique. Qui ça que nous-mêmes nous prévoit à travers ça. Nous connaissons que la situation économique là est difficile. Maintenant, une nambay que nous pour aller garder qui j'en nous ka agir sur les aspects et pour moun yo faire business pour business au moins.
parce que gen moun yo gen pile moun handicapé qui nan ti commerce qui fait commerce informel. Mais maintenant ça que y a faire, il pas mené rien vraiment parce que avec ça on investit et puis donc problème quotidien donc qui vraiment compliqué, donc ça fait que nous-mêmes n'a réfléchi sous aspect ça pour nous voir qui ça que nous capable accorder. S'il est vrai que j'en nous se dire avec budget BSF gagné, nous pas capable bay moun yo cob pour faire de gros business, mais maintenant c'est ça que fait tout nous avons chercher de partenaires. Parce que gain de partenaires et techniques et financiers, n'a cherché garder qui côté nous ca jeune coop de l'extérieur sorti l'autre côté pour nous capable accompagner offrir un accompagnement avec moun qui handicapé yo. Parce que justement l'important si yo même yo gain yon activité génératrice de revenus qui permettent que yo capable faire yon minimum. Il va parler de bien-être en général, mais au moins ça capable permettre que au moins moun nan li capable agir ti pa ti pa pour li capable gagner un gros business parce que gagne un pile moun handicapé là dans pays a qui gagne ti business même parce qu'il besoin accompagnement pour capable aller sur un qui piloge. Mais gagne CAS par exemple, qu'est-ce assistance sociale? Est-ce que BSF par en train de travailler avec responsable CAS pour comment nous ta capable aider me contre des témoignages, nous sont très très loin et puis obligé venir dans BSF là pour venir pour un petit chouchou parfois venir il va me faire pour eux-mêmes, il tourne bredouille. Est-ce que de manière systématique on va connaître que voilà gagne ensemble de monde a besoin spéciaux qui pas travail qui pas trop pour cap diriger pour garder yo, mais l'État prend en charge pour au moins ba un minimum pour kembe pendant y a dégager pendant là. Faut que nous avons déjà rencontré avec ancien DGCAS là sur même point ça pour nous être capable garder qui gens yo ta capable régulariser aspect ti fond que assistance que bay moun yo chaque mois. Mais on connaît vinn gagne changement, donc nous gagnons déjà dans planning nous pour que nous rencontrer nouveau directeur pour que justement nous ouais même point que nous t'apprêtons à entendre nous avec ancien de GA une façon vraiment pour capable garder qui amélioration qui capable porter dans ce sens ça. Mais parce que BSF lui-même des fois moins besoin nous reconnaît aspect ça aspect transversal là parce que si il y a de l'accompagnement qui pour bail tant que CAS yo même y a fait suivi y a fait étape pa yo. Maintenant par exemple si moun nan gon besoin en éducation, BSF capable justement faire le suivi si il y a un problème auprès du ministère de l'éducation nationale. Mais maintenant c'est ministère de l'éducation nationale qui doit répondre à besoin éducation pour tout le monde, quels sont moun qui handicapé, que lycéen moun qui pas handicapé. Maintenant n'a pas regarder avec CAS j'aime dou là n'a pas rencontré DGA pour nous garder lui-même qui ça que le gagner, comment quelqu'un est intervenu et qui ça que nous avons proposé tout en termes d'assistance pour que justement capable gagner un minimum amélioration de mon handicapé. Oui, parce que là une fois c'est porte nous frapper, me content d'appeler dit plein hein, mon handicapé vini, il vient chercher petit moyen pour diable, bien qu'on soit très 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 loin et puis malheureusement on pas rien arrivé. Eh bien bonjour, yo sorti très très loin et c'est une aspect que nous-mêmes nous à travail sur lui. Nous dit moun yo, moi même téléphone moi li joignable et téléphone bureau joignable yon façon parce que si moun li a sorti bien loin effectivement faut que moi dou yon n'a pas moun été qu'on reprocher c'est que les sorti bien loin yo pas jeune moun pour recevoir. Moi même moi travail ça même l'homme pas de gain rendez-vous à moun nan automatiquement c'est un moun qui handicapé, donc justement il vini au moins nous mande besoin et puis nous assister. Maintenant si gagne un suivi qui pour fait, ça arrive que ou dit pas déplacer le déplacer, mais ça pas dépend de nous parce que nous fait minimum nan et que au moins pour nous faire suivi par téléphone avec moun nan et que s'il a besoin déplacer l'a déplacer et nous utiliser en pile tout internet par exemple moun yo gen WhatsApp. Donc si mon a vraiment un message que nous avons communiqué avec lui bien rapide sur WhatsApp pour ne pas déplacer, pour ne pas déplacer. Et c'est ça que fait nous-mêmes nous pas regarder qui gens nous capables dans le sens nous souhaitons parler tout à l'heure de renforcement institution yo pour permettre que au moins monde qui représente association yo leur gagne un message pour que partager avec membres qui dans association yo pour empêcher que mon handicapé eux même yo faire le déplacement qui pas trop nécessaire parce que le monde dans les vini il connaît que automatiquement le vini il gon corps que le besoin l'a joindre. Pas oublier nous même nous passer un chèque
Donc toute dépense, tout ça qui est capable de faire qui gagne dépense là-dedans, donc c'est ministère affaires sociales. Donc ça veut dire que même si mon état fait une demande de subvention, que c'est personnel, que c'est institutionnel, donc ça va prendre quantité de temps pour que le ministère affaires sociales agisse sur lui, ensuite pour retourner pour faire tout parcours que le dossier doit suivre, donc ça va prendre du temps. Mais nous-mêmes, nous voulons comprendre que l'aspect BCF, l'aspect transversal, là, au besoin qu'on a, s'il est vrai que nous avons gardé la possibilité dans les subventions pour nous faire des subventions, mais ce n'est pas de bail que nous venons à venir. Maintenant, nous-mêmes, nous faisons suivi. Nous relayons par téléphone ou du moins nous écrivons, ça va dépendre de quel moyen de communication que nous avons lui-même utilisé. Est-ce que le parapluie est intéressant pour nous avoir un canal qui est clairement défini, si nous avons un handicapé, besoin de faire une opération, s'il est malade, s'il a besoin d'assistance dans l'État, laisse le connaître, un côté qui a écrit, un côté qui a relayé, clairement établi, pour y apporter, pour y avoir le bourrade que le besoin, madame le secrétaire d'État. Et ma bonne, il faut que je dise, tant que j'espère vous toucher là, un service qui relève URIS qui n'a BCF. C'est unité de réadaptation et d'insertion sociale. Maintenant, unité ça n'a BCF, c'est travail ça le fait même. Mais des fois, ma fin avancée pour me dire, ça que je ne comprends pas, des fois, mon yo vini, ça y a demandé, probablement, ce n'est pas lié au vie. Ah bon? Parce que il y a des gens qui viennent, moi-même, je n'ai pas de service là. Je vivais dans le bureau, donc je suis bien étonné. Je dis, si je connais au moins le service là, nous avons parlé de lui des fois. Maintenant, pendant que je nous faisons différents suivis pour accompagnement médical. C'est un service qui est basé selon la loi, avec justement Jean-Loi Mandel, pour que BCF lui-même ait un service qui est lié avec deux centres, même s'il est privé. Gagner l'état tout si mon en a besoin accompagnement médical les prendre. Maintenant nous fait plusieurs suivis comme ça et récemment nous te font suivi avec Bernameuse pour un monde qui est handicapé qui te prend plusieurs balles et Bernameuse ba les soins et ensuite mon en a exerté mais maintenant son base de partenariat de travail donc gens que au fait là et puis qu'on y a le que institution lui-même li paye la paye taxe et que à la fin donc il prélevé les sous taxe que justement li bralien pour payer l'état. Mais les gens qui viennent, automatiquement, ils parlent de questions médicales. Et que vous parlez de suivi ça, ils disent non parce qu'ils ont besoin de corps pour aller dans l'hôpital que vous voulez. Or, moi-même, je vérifie les gens que M. David a fait le service là parce que je fais suivi, je m'assure que je suis suivi à tout, avec elle. Donc, je vois que c'est un service qui est correct. Je comprends le souci, je n'ai pas besoin d'un médecin privé qui partage justement entrer dans le lit ça. Mais par contre, moi-même, puisque le service est correct, donc c'est là dans la nourriture, des fois, mon salvin cherche, ce n'est pas l'île qui a souhaité joindre, mais nous-mêmes, nous assurons au moins le service est fonctionnel et il a marché. Et nous continuons à focus pour que nous ayons plus de partenariats avec de l'hôpital privé pour nous capables d'offrir plus de services avec les gens qui sont handicapés qui ont besoin. Est-ce que ce service à tous, si on a besoin de changer chez vous, il n'y a pas de moyens pour ça, il a besoin de béquilles, service à aider dans le niveau ça tout? Non? Oui, c'est le même service là. Et pendant nous arriver à tout, justement, nous distribuer un pile matériel avec deux représentants d'associations qui font deux modes. Depuis qu'on fait deux modes, nous analyser depuis le service qui est en stock, il y a des gens qui sont simples individus qui ont besoin de matériel là, depuis qu'il y a des gens. Maintenant, si le service est dysfonctionnel, je ne sais pas, parce que même pendant nous arriver là, au moins à chaque monde qui fait deux modes, nous fait suivi. Si pas gagné, pas gagné. Moi, son jeu que nous te dit, par exemple, pas de côté pour nous faire prothèse. Mais à mon grand étonnement, là, je viens dans le bureau, moi, je veux que dans le même service, je fais service avec IHR, qui, justement, yo même fait prothèse ou bien réparer prothèse pour les gens qui sont handicapés. Ah bon? Oh, là, maintenant, donc, là, moi, au moins, prends connaissance de service ça. Donc, moi, au moins communiquer avec des gens qui sont handicapés, même par contre, tout le monde qui est handicapé qui a une prothèse dans le pays. Ya. Mais au moins, je connais qui a parlé que par exemple. Mais vous avez caché que mais bien, je dis, quand il y a plus que service dans les ouvriers, la façon que nous au moins connaître les gens qui ont une prothèse, c'est leur que nous avons au moins adressé à ce service là ça n'a pas capable de gagner une quantité. Yo. Actuellement, puisque tu as un corona là, donc, il est difficile pour nous rejoindre un train. Pour qu'ils soient capables de faire prothèse, mais au moins nous avons une liste d'attente
automatiquement gain entrant pour que capable justement refaire prothèse pour moun qui gain problème prothèse et c'est pas et que tout si moun a besoin réparer pour capable réparer prothèse pour lui. Parfait. Et là maintenant et présence nous dans notre ville dans pays, comment ça y est? Présence dans l'autre ville dans pays, il faut que moi tout et sous peu m'a pas bon plus information sur ça parce que nous gagnons des coordonnateurs départementaux qui ban nous feedback yo, mais par contre nous-mêmes nous préférons aller sur place parce que nous pouvons rencontrer les responsables d'association du tout pendant nous arriver là parce que tout le monde comprend que le contexte là c'était éviter foule donc pas qu'à inviter mon handicapé à monter descendre venir pendant qu'on même ou à risquer la vie li, pendant qu'on va risquer la vie l'autre monde tout dans la rue ya. Mais maintenant étant donné que situation a commencé en tujan et améliorer donc nous même nous allons commencer à déplacer qu'on là nous fin prend feedback de association yo et puis prend feedback tout de emploi qui est en coordination, le ça n'a pas capable de fournir une réponse qui est plus assurée. Mm-hmm. Il y a des communautés, et, par exemple l'évêque, bon, sous piste là, qui ont un commandement spécial pour la communauté mon handicapé que vous prévoyez et pendant le passage de notre secrétaire d'État. Fakmoindjo, est-ce que vous avez un accompagnement spécial? Moi-même, ça que nous, oui. Parce que nous pas, oui, non. Pendant passage moi te kon dil et pendant dans l'état tout m'a continué dil. C'est pas comme si mettait mon handicapé dans situation pour tout temps bon accompagnement spécial. Mais c'est garder qui ça qui ca dégager comme travail pour que mon capable bon stricte autonomie pour même yo travail. Parce que par exemple et tant coup pour masque donc tout masque yo pas donc ça c'est au moins défi Covid là. Avec une série de monde qui handicapé, ça dépend de type d'handicap. Donc, le regarder masque, monde qui sous dans besoin masque qui adapté, parce que justement, gain de monde c'est labial, c'est bouchou pour lui comprendre, et c'est pas tout le monde sourd qui comprend langue des signes. On nous dit que il pas aller l'école, il pas comprendre. Maintenant, labial gain l'autre façon qu'on a communiquer pour le comprendre. Là maintenant, nous avons fait tout l'effort qui possible pour nous au moins produire une quantité de masques qui adaptée avec les gens qui sont y compris interprètes. Qui est la produit là? Nous travaillons sur lui parce que faut que nous gagnions des gens qui sont capables de faire et nous déjà contacté les gens qui sont handicapés qui déjà concoude qui ka fè yo mais kounyan nous ap gade ki institution qui capable justement permettre que nous gagne financement pour faire parce que li pa coûter petit crascob que green masque moi-même ou bien ou même porter parce que nous au moins le prend pour format pour et matériel simple matériel qu'on a utilisé pour le faire 10 feuilles qui la joie en feuille papier simple il vend $25 américains or gagner mon sous sur tout département yo donc ça veut dire on a monté un petit projet qui déjà en cours pour que nous voyons qui côté qui capable justement venir en appui avec ça pour nous capable mieux adapter vraiment tant que l'on prend et communauté l'évêque moun yo gagné kayo là et yo habité là. Donc c'est vraiment garder qui ça l'état capable faire par exemple pour question sécurité yo gagne problème sécurité l'autre bois. Maintenant c'est étant donné que plus fort côté dans pays il y a un problème sécurité, c'est garder qui genre nous-mêmes dans niveau l'état, nous capable justement faire en sorte que nous garder avec ministère de la justice, sécurité publique qui appuie qui est capable qui renforcement qui est capable faire dans bloc là pour nous être capable justement fonctionner et plus en paix. Par exemple, on prend la piste lui-même plus gros bail que nous capable faire depuis le 25 mai. L'aide du fait en prend et que la situation vient plus compliquée parce que gagné au moins 16 monde qui perd du shelter qui boule avec tout ce qui a été gagné. Bah était sale doit battre. C'est ça. Mais maintenant depuis l'heure nous a fait de démarches pour nous voir comment que nous capable venir en appui à mon yo. S'il est vrai que ti appui et que nous baillo, il pas suffit parce que l'essentiel faut que mon au moins li gon côté que li rete là-dedans. Côté où il y a monde qui té gagné kay boule yo. Gagnent qui kay famille, gagnent qui kay ensemble, mais tout l'autre monde qui pas de shelter boule yo encore sous piste. Et à partir de ça, ministre affaires sociales là, justement nous té li entre en contact avec pour ça parce que faut que nous relocaliser moun yo. Faut que nous son projet qui là, moi jeune projet ça dans BCF pour té relocaliser moun qui sous camp la piste. Mais maintenant nous même connait faut que yo gagne fond pour relocaliser.
Et là maintenant, et président est passé instruction avec PM, avec le ministre des Affaires sociales, pour que vous-même, vous gardez qui les gens sont capables de venir en appui pour que vous puissiez localiser. Et il faut que je dès lors, et PM, donc, vous êtes en joint un terrain, donc c'est 2 hectares qui tabore. Donc, il y a déjà à faire le travail pour suivre pour voir qui gens qui sont là pour nous capables de joindre et pour mobiliser fonds pour nous relocaliser. Ça peut arriver que le capable prendre le temps parce qu'il faut mobiliser fonds pour relocaliser une quantité de monde. Et maintenant, il y a un aspect que nous allons agir sur lui, nous avons un rapport pour nous acheminer vers l'affaire sociale parce que il y a un monde qui était déjà relocalisé. Soit dans l'évêque ou bien bonne cabrite, mais qui loue Kayoa, ou bien qui quitte l'yale le ouvre, ou vin fait le tour dans deuxième côté et deuxième résidence, et puis aussi il était en bas, par contre, quand y a l'eau ça, vin augmenter quand y a un travail là, nous pouvons regarder quand y a un cas identifié, pour que nous soyons capables justement de rendre la tâche le plus facile. Mais faut que moi dise, nous mobiliser vraiment pour localiser Mounio, parce que nous d'accord, et nous conscients que la situation n'est pas favorable du tout côté Mounouya. Parfait. Et là maintenant, et pour question éducation, son gros morceau, bon, l'idée c'est permettre que Timoun qui a besoin spéciaux capable et même toi apprendre même côté Timoun qui va gagner handicap yo. Dans niveau BCF, est-ce que il y a un contrôle déjà fait avec le ministère de l'Éducation nationale pour voir comment et réalité Timoun a besoin spéciaux dans le système éducatif haïtien? Donc nous avons un CASAS qui lui-même travaille sur la question ça dans le ministère. Mais, par exemple, quand il y a des mesures qui apprennent l'éducation en ligne pour que les gens aient bouclé l'année scolaire là. Donc, moi, j'ai parlé plusieurs fois avec le ministre Génois Cadet. Et là, maintenant, étant donné que c'était question COVID, il y a plus de priorités parce que vraiment, tout le monde n'est pas déplacé. Mais toutefois, nous planifier déjà pour nous faire une rencontre sur ça, pour nous garder qui gens et mesures que nous prenons pour permettre que l'autre timoun ne pas perdre l'année, pour arriver vraiment impacter les timoun qui est handicapé. Et déjà, nous t'ai parlé plusieurs fois, mais nous avons gagné pour nous faire une rencontre physique, pour nous discuter qui gens ça va faire. Parfait. Parce que faut que tenu compte de eux, c'est ça qui relaie éducation inclusive là. Parce que j'ai pas maintenant ces voyages, j'ai gardé vers chaque ministère qui s'accueille à faire. Est-ce que tenu compte des questions mon handicapé? Par exemple, et l'autre jour, et nous t'es tenu pour nous visiter deux centres côté que y a bas soin à moun qui gagne un trouble psychosocial. Nous pas encore arrivé Bedè, mais nous t'es dans Mossin Klein. Côté que nous avons fourni, j'ai gardé. Mais c'est vraiment chaotique. C'est vraiment chaotique. Et nous-mêmes, vraiment, en tant qu'organe qui est là, pour assurer que chaque ministère fait travail par eux, nous avons un rapport que nous avons dressé sur ça, pour que nous puissions acheminer l'affaire sociale. Et nous avons accompagné le ministre de l'affaire sociale, là, qui malheureusement pas capable de rester parce que. Et donc, tu prends temps pour les responsables sont là, tu es présent. Mais le représentant, lui, était là. Yo te wè ensemble avec moi. Donc, dans quelle situation, côté que femmes qui ont un trouble psychosocial, ensemble, tout dans le même espace, garçons, tout dans le même espace, et vraiment, c'est chaotique. Nous avons tout le problème, vraiment, avec toute listing de demandes, de besoins que nous avons. Et nous n'avons pas tiré, nous pas attirer attention bien-être social, tout ça, parce que nous avons une petite fille qui est handicapée, qui a 13 ans, qui est une fille qui soude, et puis elle a un trouble psychosocial. Et les mêmes côtés avec l'autre monde qui est grand, qui gagne en pile l'âge, mais qui gagne deux couples psychosociales, des fois qui est très violent en même temps, ça va le dépendre. Donc, qui est capable vraiment de gagner en pile l'impact sur tout le monde. Donc, c'est le genre de travail ça, que nous-mêmes nous avons fait. C'est aller regarder comment la situation est, et puis nous-mêmes, côté que nous n'avons pas agir directement et que nous faisons des recommandations pour que justement nous ayons une assistance, une prise en charge qui fait pour que nous soyons capables d'améliorer en termes de vivre parce que gain quand même un minimum pour mon ali même est capable vivre en tant que monde. Gain ça dans volet justice là tout. En plus fois mon handicap il arrive au tribunal, il pas trouvé l'assistance que besoin que ça vient chercher. Alors nécessité. Maintenant, par contre est-ce que BCF gagne une unité qui accompagne des mon à besoin spéciaux qui besoin et assistance en justice?
Nous n'avons pas une unité pour ça. Par exemple, et dernièrement, nous avons recevé un appel de deux institutions qui t'a expliqué nous la situation de monde qui est handicapé qui est en prison au CAI. Mais maintenant, nous-mêmes, nous ne voulons pas que nous apprenions à remplir l'autre institution parce que nous ne sommes pas capables de tout. Mais c'est pour faire le pont pour vous. Le pont. Maintenant, et récemment, nous faisons correspondance, étant donné que OPC, c'est un organe pour l'État qui peut veiller tout sous et violation de l'institution de l'État. Et bien, nous adressons une correspondance avec OPC pour que vous-même soyez capable au moins fournir et garder et puis garder qui appuie, qui collaboration, qui est capable de faire dans ce sens. Et maintenant, ce qui a trait à la justice, le monde, si vous avez des dossiers comme ça, vous contactez nous. Étant donné que nous, le plus souvent, nous avons besoin d'assistance d'un avocat de toute façon. Ça nous fait, donc nous ne pouvons pas recevoir un pile cas, un pile de monde comme ça. Mais par contre, si nous avons recevoir, ça que nous avons fait, c'est vraiment garder qui avocat, qui monde que nous sommes capables de joindre, qui est capable de venir en appui. Par exemple, il y a un monde qui est handicapé qui est en prison, donc il relaie plusieurs fois dans le bureau pour nous faire suivi. Mais qui ça nous fait, comme nous avons un numéro avocat, nous mettons en contact avec le commissaire gouvernement pour être capable justement parce qu'il y a un problème et que Fox c'est commissaire gouvernement, mais c'est un monde qui est très ouvert. Donc, il pour aller lui répondre et puis lui faire assistance qu'il doit faire. Maintenant, aspect ça, c'est ça que fait à l'heure, nous avons parlé de un point juridique de toute façon en dans la boîte là. Point juridique, ça, ce n'est pas le monde qui prend la justice, non, mais au moins pour ça qui a un rapport avec les questions juridiques. Le samoun nan li même la capable accompagner donc justement orienter moun nan selon difficulté selon problème que le gagnant pour le capable joindre assistance. Mais nous connaissons tout système justice là qui en pile difficulté. Mais en même temps, c'est pour ça que justement nous-mêmes nous gagnons tout. De toute façon, nous gagnons en pile rencontre pour nous faire mais nous pas qu'on faire parce que faut que nous rencontrer ministre justice là tout face à face pour que nous capable garder réalité là et puis pour nous capable garder en terme de réalisation qui ça lui-même qui n'en niveau pas qui est capable de réaliser au moins est capable de mettre en place pour prendre en compte besoin en justice moun handicapé. Parfait. Parmi les prétextes émission matin c'est COVID-19, c'est situation moun handicapé par rapport à COVID-19 là, madame Désir vous parle en pile de distribution de masques ou bien de masques disponibles pour BCF. À part de masques disponibles, qui l'autre bagaille que nous fait pour accompagner les handicapés pendant la période COVID-19 là. Un aspect qui est important, c'est veiller à ce que ça, mon yo a dit, pas discriminant envers les gens qui sont handicapés. Et c'est pour ça que nous avons justement intervenu dans une vingtaine de médias. Et gagné tout qui écrit, c'est-à-dire qui écrit deux choses pour que eux-mêmes soient capables justement de gagner. Qui mot, qui ça qui t'a doué utiliser dans la période COVID là pour pas, dans le langage que vous avez utilisé, c'est un langage qui est inclusif, qui n'est pas discriminé, qui n'est pas porté atteinte à quelqu'un qui est handicapé. Et nous faisons avec des gens qui ont réalisé des sports pour privé, nous faisons tout avec des gens qui ont réalisé, qui de moun, parce que tout le monde nous remarque que l'engouement qui gagne, tout le monde a collaboré vraiment pour COVID là, faire moins de dégâts. Donc, dans ce sens-là, nous faisons sensibilisation parce que un aspect qui est important pour nous parler pendant nous là, c'est l'aspect spécifique message. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous faisons spot tout. Spot là pour qui ça? Parce que quand que mesures d'hygiène, gestes barrières, yo simple pour, c'est facile. Donc, pour Serge Nolindor, donc livrer tousser dans le coup de bras. C'est parce que de toute façon, il y a un coup de là. Mais il y a un monde qui est handicapé qui pas gain coude là, tout c'est qu'un bel faut qu'il tousser. Et ça pas veut dire du coup que gens moun yo wel pour discriminer, pour stigmatiser moun de pour tousser c'est coronavirus. Maintenant, moun qui pas gain bras, eh bien il nécessite justement masque là obligatoire pour que lui-même il capable justement tousser. Mais maintenant, il y a deux monde qui est handicapé tout qui a risque, par exemple qui diabétique, par exemple qui asthmatique. Et il y a deux monde qui est handicapé qui nécessite yon appui de yon l'autre moun. Yon rele sa support humain. Par exemple, moi-même, son ka besoin kan pou mpon appui. Mais yon de moun ki handicapé ou pa ka offre l'okin l'autre support que support yon moun. Ça veut dire ki sa? Or, logique la, moun handicapé sa li même li besoin assistance la nan période COVID-19 la. Et bien, ki sa nous fait dans ce spot la? C'est
informer mon nom, lui-même, la protéger tête. D'abord, la besoin mettre gants si nécessaire, la besoin mettre lunettes li, la besoin mettre masque li, et puis ensuite la désinfecter lui-même, la désinfecter mes li, désinfecter tout côté le désinfecter, et puis ensuite kounya pour lui mettre gants pour mon handicapé si nécessaire. Tout ça le fait pour lui, elle a fait même bagarre pour mon qui handicapé. Mais maintenant mon nan li pas capable pas protéger tête li et puis la protéger moun ki handicapé, parce que de toute façon c'est une façon pour moun yo pas oublier, parce que question distanciation sociale là pour pas dire que non c'est covid faut que moi prendre distance et que là kounyan pral gagner moun handicapé qui pral victime pour cette question distance là. Dans ce cas moun nan li protéger tête li et puis le protéger moun handicapé à l'avancer. Là on prend par exemple de moun qui power qui utilise canne, il a gagné justement canne blanche là utilisé, il faut qu'il désinfecte. Maintenant nous sensibiliser à ce que pour gagner attention plus avec outils que a utilisé. Parce que justement le monde par exemple canne pam moi moyen souvent, mais c'est seulement qui utilise canne moi, pas gagne en pile monde qui moyen, mais en même temps tout étant donné que tout ça m'a moyen forme kembe, donc ça veut dire du coup mi problème ka prendre n'importe côté tout. Maintenant moi toujours au moins assurer que me flitter canne moi de temps en temps, de temps en temps, et maintenant des fois me laver, et c'est même bagarre là tout pour un monde qui sous chaise à roulette, y a un monde qui utilise un déambulateur, y a un monde tout qui utilise canne blanche là, nous mandé yo pour prendre précaution avec matériel yo et puis prendre précaution tout avec l'autre monde, parce que sensibilisation n'est pas fait différemment pour mon handicapé. C'est la même chose. Mais maintenant, c'est juste mettre un point sur aspect spécifique. Pas oublier, n'a pas parlé d'inclusion, donc nous sommes tout le monde. Donc si nous sommes tout le monde, vraiment, c'est assurer nous pendant la campagne a fait là pour nous ne pas oublier mon handicapé dans la campagne. Est-ce que nous avons matériel sanitaire qui a joué les gens? Nous pas de matériel sanitaire qui a joué nous. Cependant, et de tout, récemment, nous recevons une quantité de chlore de primature, mais qui pas capable toucher tout le monde, mais gagner le monde dernier monde qui vient prendre masque dans l'heure que nous recevons nous permettre quand même yo joindre clore là, mais qui pas privé toucher tout le monde. Mais moi-même faut que moi dit covid là li offre un pile avantage que des monde pas saisi, parce que sanitizer tout le monde connaît comment sanitizer vient vendre cher qu'on y a là, et sanitizer li pas capable et propre mais monde en vrai. Même si on a un bureau, après quelques secondes, on passe en sanitaire, on va essayer de l'eau sale qui bon. Donc maintenant, moi-même, plus conseiller mon yo, retenir deux pratiques qui sont purement haïtiennes. Moi-même, c'est ce que je fais. M'encourager à faire. Parce que même si on achète un petit bidon sanitaire, par exemple, il a fait une semaine à la rigueur. Maintenant, qui ça nous fait, moi-même, m'encourager à mon qui est handicapé. Utiliser FAB, anti-FAB. Ou font bidon, un gros galon, ou mettez Clorox là-dedans. On sait un goût de Clorox parce que nous conscients de situation économique mondiale. Et puis tout font gros bidon, ça capable laver moi pour plusieurs jours, plus que un sanitizer. Et maintenant avec ça, ça capable aider. Étant donné que nous connaissons en termes de communication pour passer information au lit difficile. Automatiquement, il prend mesure, le ministère de la Santé publique dit mais qui ça doit faire, mais qui ça doit faire, non, puis au niveau de l'État, nous-mêmes, dans le secrétariat, nous contactons les représentants de l'association pour nous parler de gestes barrières, comment ils sont et qui sont même capables justement d'atteindre mieux pour le faire. S'il est vrai que y a des gens qui ne sont pas arrivés et justement j'ai un message, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas joignables, soit par et téléphone, yo, WhatsApp ou bien SMS ou bien par appel direct, parce que nous faisons directement et il y a des gens qui relaient, qui baillent les informations. Pourquoi ça ne va pas joindre tout côté? Pour qui ça ne va pas joindre, ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas joindre, mais pas oublier, logiquement, il faut qu'on ne pas faire foule. Maintenant, nous avons un souci pour rassembler les gens. Pour ta mettre en quantité ou du moins aller vers le côté où il y a, nous pas aller mais nous faire li par téléphone, et actuellement gagner de un module de formation que unité de formation et de sensibilisation a préparé là actuellement pour que capable faire une formation à distance pour avec les deux qui gagne association mon handicapé yo, et puis de monde qui handicapé tout qui pas justement gagne strictement d'organisation pour capable gagner un minimum, parce que nous développer une quantité matériel de sensibilisation qui est imprimé, donc qui va permettre que au moins yo gagne quelque point spécifique
pour connaître qui gens pour que yo même yo aborder aspect ça. Parfait. Là maintenant, il y a des gens qui pas qu'à déplacer par rapport avec handicap yo. Mais il faut que manger et bouche la fin, il faut que manger et est-ce que moi FAES te commencer faire distribution et manger la sauce kamounio. Est-ce que dans niveau BCF nous te mandé pour que al ouais mon handicapé. Ça nous fait FAES effectivement dans cadre distribution ça nous fait fond de mode et nous remercions ministre affaires sociales là donc justement qui te fait de suivi avec FAES pour que tu es capable permettre que nous te gagne ration sèche. Il est vrai que nous avons toujours dit ça, pas nous-mêmes, dans la position par nous, nous faisons en sorte que nous jouions de rations vraiment. Mais ça nous jouons, nous ne touchons pas toucher tout le monde. Mais nous touchons au moins, par exemple, quand il y a une quantité de handicapés, nous touchons à travers l'association. Ce n'est pas FAES qui a fait directement, mais il y a un chargé de mission dans le bureau qui est habitué à faire ça, lui-même les déplacer avec machine bureau, il a porté ça pour porter en bas de côté pour éviter que vous déplacez. De toutes les façons, si vous déplacez, vous prenez, vous prenez, payer une machine qui n'est pas nécessaire, qui est capable presque acheter une partie dans sa carrière, nous faisons. Et nous avons continué justement à faire li parce que nous connaissons des difficultés. Il y a un pile, bouche fin, faut que vous mangez. Mais chaque sac que nous jouons, nous assurons que nous faisons suivi pour nous-mêmes bénéficier. La question est cache là tout. Est-ce que nous sommes sûrs que les handicapés qui jouent sur le téléphone tout? Pour mon cache, étant donné que c'est affaires sociales qui a coordonné aspect ça. Nous-mêmes, nous avons un programme qui est en base de données qui est CIMAS. Nous-mêmes, nous parlons avec le ministre des Affaires sociales là, pour que justement, nous tenions compte de besoins de handicapés en tant que son mon cachet. Mais une des choses, c'est que pour construire et donner ça, un aspect, un paramètre qui est important, c'est que c'est mon handicapé. Donc, selon ça, je dis, qui est à la base, ça veut dire qu'on y a là. Je ne sais pas dire combien de handicapés qui touchent pour mon cash déjà. Mais maintenant, nous restons en communication avec le ministre pour que nous-mêmes, nous au moins, étant donné que nous pouvons finaliser tout le monde supposé bailler mon cash, pour au moins nous avons l'idée de pourcentage de monde qui handicapé qui touchent. Parce que vraiment, il y a des gens qui apprennent liste dans le monde. Étant donné que nous-mêmes, nous pas gagné et pour travailler pour nous prendre liste dans le monde handicapé. Yo relé nous effectivement mais nous tout di yo si nous gon liste que nous t'apprend donc nous même nous t'ap relé yo directement c'est une façon pour nous dire pour moun yo vraiment pas al bay moun que yo pas connait numéro NIF numéro téléphone et puis après kounyan pour dire que c'est bureau secrétaire d'état qui t'a informé yo d'un bay comme ça puisque son bay gouvernemental et c'est ministre affaires sociales là qui a fait et BCF li sous tutelle et ministère des affaires sociales et que madame Yolette Altidor lui-même donc justement qui a fait suivi donc avec pour capable coordonner aspect ça. Ça arrive et tout le monde handicapé pas touché. Mais maintenant, si nous tenons compte de base de données, donc justement, si numéro mounio qui était dans la base déjà, c'est correct parce que tu es grand pile mon handicapé qui était participé déjà dans un programme et qui était le corps mon handicapé tout. Donc c'est sûr que si numéro style fonctionnel, moi presque j'ai garanti que de toute façon, avant que le finaliser quand c'était mon qui doit jeune mon cache, il t'a supposé jeune mon cache là. Nous allons refermer l'émission et madame Désir, est-ce que je dis à niveau BCF, nous recensons des mondes handicapés qui testaient positif ou soit qui même perdu la vie. Jusqu'à présent, non. Et nous pas recensons des mondes qui testaient positif, nous pas recensons des mondes qui perdu la vie. Peut-être que nous avons gagné un monde qui c'est lui-même parce que nous connaissons qu'il y a depuis que nous avons la fièvre en pile, etc. C'est lui-même qui te dit nous que il y a fièvre. Et que les médecins, donc service URIS, ont justement fait suivi, mon ont allé à l'hôpital. Mais étant donné que son monde qui a risque, c'est-à-dire qui est asthmatique, donc, je ne suis pas sûr que le tout le temps, il était supposé suivre. Ça veut dire qu'il n'y a aucune confirmation qui dit que effectivement c'était coronavirus. Mais peut-être que lui-même, il ne sentit pas en forme. Donc, il était voulu un médecin, il était well, mais jusqu'à présent, donc, pour qu'il y ait une donnée qui dit que il y a des gens qui sont handicapés qui testent positif, pour qu'il y ait une donnée qui dit qu'il y a des gens qui sont handicapés qui mourent dans la COVID-19. Vous avez dit dans l'émission, et vous entendez aller dans la ville provinciale, qu'il est là pour démarrer avec l'activité ça, pour finir. Mon cher,
Nous t'as supposé commencer à aller à partir de fin semaine ça. Mais maintenant, il n'est pas trop dépendre de nous parce que tant que récemment, nous t'ai déjà planifié pour nous aller à Gonaïve, mais t'es venu un problème dans route là. Mm-hmm. Donc nous t'es obligé faire bac. Mais maintenant, automatiquement nous commencer et ces trois coordinations gagnent l'Artibonite, nous gagnent centre et puis nous gagnent nord. Ensuite, nous gagnons en sud, sud-est et puis et avec Dredos. Donc ça veut dire ces six coordinations ça y est. Mais sous peu, donc est-ce que on a partagé avec télévision hein, donc au moins minimum déplacement que nous faisons dans le cadre de travail bureau. Bon, vous dites le travail en plus pour question accessibilité à toute nos réalités pendant pas ça jour, quand puis le nouveau bâtiment l'état a construit. Mm-hmm. Pour assurer que mes handicap peut capable et fréquenter sans trop de difficultés. Voler communication, tout, vous êtes très intéressé avec lui, pour que son handicap ait un service, par exemple, la DGI et la LOFATMA, mm-hmm. Alvin, la TNH, il faut que vous qui capable avec lui. N'est-ce mon pas? Cher mm-hmm. Samzoula, étant donné que nous-mêmes, nous avons fait travail par nous, je veux mieux comprendre ça. Travail par nous, on a fait. Par exemple, si nous remettons Télénational et fiche de diagnostic d'accessibilité, reste assez au café, mais au moins, pendant le passage moyen, je suis capable de lister la quantité d'institutions de l'État que je remets diagnostic là pour rendre le bâtiment accessible et le ça même en dans le budget pour être capable d'aménager. Parce que parler de questions inclusion mon handicapé ou du coup accessibilité. Accessibilité, c'est parce que même il y a aller vers la communication qui fait que justement nous focus sur lui parce que l'un ne pas marcher sans l'autre. Ou un message pour mon handicapé que tu as regardé au capitaine de matin? Et message pas pour tout mon handicapé qui a regardé. Donc moi-même, m'a dit, continuez à faire travail là. Travail pour inclusion, il n'est pas soit net. Mais c'est un travail qui concerne tout le monde, que c'est monde qui est handicapé, que n'est pas monde qui est handicapé. Donc contribuer vraiment pour réalisation, pour idéal communauté, c'est travail tout le monde. Donc il y a besoin d'impliquer plus parce que travail lancé yo. Donc yo c'est nous. Donc on nous travaille ensemble pour nous collaborer pour bureau secrétariat d'État intégration mon handicapé capable justement tourner un symbole représentatif de question mon handicapé en Haïti. Bon, merci Muriel. Qui est avec nous? Moi, je remercie Muriel, donc, qui toujours met elle disponible pour nous. Là, nous avons des difficultés pour question d'interprétation. Ouais. Vraiment, Muriel, merci. Et merci, Serginho. Donc, je dis mon handicapé, nous toujours été proches. Yo. Et encore une fois, président avec PM, donc, yo renouvelé l'engagement pour que yo renforcer. Quelles sont les institutions mon handicapé et mettez un impact sur la représentation mon handicapé sur le plan international. Voilà. Alors, les gens qui ont fait ces concours, ils mettent tête frette pour travailler pour eux pour qu'avant longtemps, de ces salles finalisent. Ce n'est pas même moi qui travaille pour eux parce que PM nan, récemment, nous avons dans les médias, donc il prend engagement pour lui. C'est si PM nan, qui sous tête tout le monde, là, tout ministre, tout secrétaire d'État, il prend engagement. Moi-même, je continue à faire travail PM nan, pour lui aboutir parce que moi bien envie d'aller dans l'institution pour moi, mon handicapé qui a travaillé, qui a bail l'État service. Comme préciser pour nous matin, le secrétaire d'État a insisté en pile pour que Muriel était interprète pour nous. Et heureusement, et Muriel était là et merci en pile, Muriel, parce que. Il était accompagné nous. Merci infiniment, secrétaire d'État. Il faut me préciser, c'est la troisième personnalité qui occupait pour ça. Faut bien dire, oui, troisième personnalité, mais une femme qui est handicapée, donc qui vient dans le bureau, qui peut-être pas vivre, même vécu avec monsieur, parce qu'on connaît qui ça, ça veut dire, donc là, c'est une femme qui n'en passe. Pour qui ça? Mais de toute façon, nous n'avons pas peur des filles. Même quoi, nous travaillons, puis nous l'effort à Haïti fait à niveau ça. J'ai foyer, c'est toujours dans la galerie, hein? Mais par contre, quand ces femmes qui arrivent dans la position, donc la réalité est tout autrement. Mais nous pas perdre des filles, parce que nous sommes les gens qui font toute vie, nous avons des filles. Donc de toute façon, j'ai des filles à venir, certainement. On a regardé qui j'en ai capable de contourner, c'est collaborer, nous avons collaborer. C'est solidarité, nous avons fait avec tout le monde, donc nous avons continué à être ouverte et puis. Et gagner, cultiver plus sagesse avec l'amour pour nous continuer le travail. Parce que vraiment, nous ne pouvons pas régler rien de personnel, c'est un travail de l'État. Donc, si dans la société civile, nous ne pouvons pas faire le personnel, donc encore plus dans le niveau de l'État. Donc, nous sommes ouverts à tout le monde et vraiment, nous sommes prêts pour suggestions, recommandations, parce que nous ne pouvons pas faire. Donc, toutes suggestions sont bienvenues, mais par contre,
nous même tout nous pour aller analyser pour nous garder ça qui est capable mieux pour l'État. Parce qu'en termes de structure, boîte là besoin vraiment le nous aller, monde qui a venir au moins travail pour mettre un cadre juridique qui définit fonctionnement et organisation bureau, faut que gagne. Donc ça c'est important et focus sur loi et tout, c'est important. Parfait. Soinette Désir, secrétaire d'État pour l'intégration mon handicapé, c'était inviter nous dans mise au point aujourd'hui. Réalité mon handicapé, puisque c'est la première mission de Favel comme secrétaire d'État, de regarder comment je vais un bureau, ça a commencé à faire, et ça n'a pas rien pour le faire, toujours dans la perspective pour améliorer les conditions mon handicapé et faciliter, pourquoi pas, la politique. Inclusion, soit avec nous en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée, et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt.